Le bureau national de l'UFPDCU urbaine, avec à sa tête la présidente Sita Koulibaly, a tenu le mercredi 28 octobre 2020 une séance de travail à la maison du parti à Cocody. Un point à l'ordre du jour, ne pas sortir voter le 31 octobre 2020. À l'issue de cette rencontre, une déclaration a été lue par la présidente de la dite Surtu, Sita Koulibaly, demandant aux militants de répondre favorablement au mot d'ordre de désobéissance civile lancé par la plateforme des partis politiques de l'opposition et dit non au troisième mandat d'Alassane Ouattara. Chers sœurs, l'heure est grave. Les gouvernants pensent que nous avons peur. Mais nous sommes des hommes responsables. Nous n'avons peur de personne, mais s'ils veulent qu'on sorte main nue, nous le ferons. Et eux, ils sauront maintenant qu'en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui sont prêts à sauver leur pays. Nous ne pouvons pas accepter que nos enfants soient dans la misère, que nous rentrons les soirs. On sera descendu par quel individu? On voit seulement des morts, des morts. Si rien ne peut arrêter, c'est que ces genres de personnes ne sont pas bons pour nous gouverner. Notre président dit que le 31 octobre, il n'y aura pas d'élection. Et nous n'irons pas aux élections. Si pour la moitié, aussi pour les 70% d'Ivoiriens, personne ne va aux élections. Nous sommes sûrs que les gouvernants vont changer de stratégie. Ils vont s'asseoir. On ne peut pas mépriser l'opposition. Nous ne sommes pas d'accord. C'est la majorité qui s'exprime aujourd'hui. La majorité des Ivoiriens, nous dépassons 70%, 90%. Nous ne voulons pas assister à de la mascarade.